avec Malcolm, c'est ton 8e but en Ligue 1. Pour recommencer la saison, là c'est de la confiance en fait à nouveau. Oui, ça nous donne la confiance. Regagner à domicile, ça fait du bien. On a mérité la victoire. Parce que contre Lyon, c'est une grande équipe et des bons footballeurs aussi. Et on a montré qu'on a la capacité d'enchaîner des victoires. Le coach, en fait, on a senti en fait, qu'il y a un peu plus de dynamisme. En fait. Qu'est-ce qu'il apporte, le coach? Un peu plus de rigueur? Oui, jouer plus. C'est ça le plus important du football, c'est jouer. Et avant, on ne jouait pas. Maintenant, on va essayer beaucoup de jouer, même s'il y a le pressing. On va essayer de jouer pour sortir le pressing. Comme je te disais, 8 buts, en fait, toi, est-ce que tu t'es fixé un objectif? Passer les 10 buts, tu as déjà aussi 5 passes décisives. Oui. C'est quoi les objectifs de Malcolm en 2018? Faire un gros saison et voilà, marquer le plus de buts possible. Et toujours avec l'idée de faire la Coupe du Monde en Russie et qu'il y ait Tite qui puisse te surveiller? Oui, c'est mon rêve. Je vais avec l'équipe du Brésil. Et voilà, il faut attendre... L'opportunité. Maintenant, je pense que je fais mon travail à Bordeaux pour après, je sais pas, le sélectionneur, c'est lui qui va décider. Ça veut dire là, il reste 3 jours, comme il reste à Bordeaux. Je sais pas. Je vais laisser au président Taverneau et mes agents. Merci.